que vous pouvez me dire après cette Togo en marche appelle à voter et pour comment Togo appelle pas républicain. Togo en marche appelle ses militants de Danoa Sipes à voter massivement le candidat du parti sur les silences forts et son université pour plusieurs raisons. D'abord sur le plan sécuritaire, nous sommes proches du Sahel. Nous savons ce qui se passe dans la sous-région. Nous voulons nous épargner. Et celui qui peut maîtriser cette sécurité, c'est lui actuel, c'est le président fort. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons que ces leaders de l'opposition depuis 90 sont fatigués. Ils doivent aller à la retraite. Ils ne peuvent pas nous apporter une alternance. L'alternance vient de nous, la jeunesse, pour remplacer d'un jour à l'autre le chef d'État. Pour le moment, nous avons besoin encore de lui pour continuer les réformes qu'il a déjà en termes. Vous savez que Togo est devenu le premier pays réformateur en Afrique de l'Ouest et le troisième sur le plan mondial. Et vous avez vu qu'il y a eu amélioration des conditions de vie, même si ce n'est pas encore ça, c'est déjà bon. Vous avez vu que le budget national qui était entre temps, qui n'atteint pas de 1000, va aujourd'hui à 1400. La valeur indiciaire, il y a beaucoup de choses, il y a un bilan. Même aujourd'hui, les infrastructures, vous avez vu. Mais nous, ce que nous disons, nous apportons nos voix pour un mandat de 5 ans, pour le permettre de finir et préparer quelqu'un pour donner une bonne alternance. Aujourd'hui, vous savez, il ne faut pas qu'on se trompe. À l'heure actuelle, chaque pays a besoin d'une stabilité. La paix et la sécurité. Sans la paix, sans la stabilité, aucun développement n'est possible. Et il y a un seul homme, et un seul homme visionnaire et capable de le faire. C'est pourquoi nous apportons nos voix. Et il n'y aura pas un deuxième tour. Parce que notre mouvement est un mouvement qui a plus de 10 fédérations et nous allons tout faire pour que le candidat du Parti Uni, qui est désormais notre candidat, Togo Amash, son excellent foi de Sylvain, soit vainqueur dans le premier tour au soir du 22 février 2020. Je vous remercie. Merci beaucoup.